A tous un véritable plaisir de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous avez passé une excellente matinée radieuse sur l'ensemble du département. Cet après-midi, la couverture nuageuse va devenir de plus en plus dense dans l'intérieur des terres et quelques averses vont se déclencher ici et là, mais en quantité modeste, poussées par un flux d'altitude. Les nuages auront tendance à déborder vers les régions du nord-ouest, venant ainsi arroser passagèrement la région du port ou encore du côté de la pointe des trois bassins. Le littoral allant de Saint-Leu à Saint-Joseph conservera les plus belles Périodes ensoleillées et partout ailleurs sur le littoral, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Un hein, alizé qui garde de, ce, de sa superbe avec des rafales de 60 km h sur les régions du nord, 70 vers Saint-Philippe. La mer, quant à elle, demeure agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé. Côté température pour cet après-midi, on relèvera 31 degrés sur le chef-lieu et Saint-André, 30 du côté de Piton-Sainte-Rose, 32 sur le port et la pointe des trois bassins ainsi que Saint-Pierre et jusqu'à 27 dans les cirques. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 janvier. Une excellente fête. À vous, les Rémi. La marée sera au plus bas à 13h35 et le soleil, lui, nous quittera aux alentours de 19h06. Tout de suite, votre JT présenté par Victoria Payette. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous juste après pour un autre bulletin.